see you. bonsoir et merci pour la fidélité merci pour tout ce que vous faites pour le Burkina vous savez eh, moi je parcours les pages hein, et fais le tour essayant de comprendre beaucoup de choses, je vais même sur les pages des propagandistes, ça me permet d'avoir une idée sur ces gens là j'avais vu euh, des gens ont démenti l'attaque euh, qui s'est produite le 8 oui, euh, août dernier les gens même sont allés, même sortir des images en disant que c'était des images de 2021. Allez écouter les propagandistes. Personne n'a démenti l'attaque. Mais qu'est-ce que ces gens disent Ils disent que ceux qui sont allés tomber sont allés se sacrifier pour le pays. Ça fait dix ans que des Burkinabés se sacrifient pour le pays. Ça fait dix ans que des familles sont en deuil. Ça fait dix ans que des gens sont sans nouvelles de leurs enfants. Vous êtes loin du Burkina. Vous êtes à Ouagadougou. Vous êtes dans des chambres climatisées. Vous mangez, vous buvez. Vous êtes en paix. Et vous dites que nous devons magnifier ceux qui sont allés tomber. Quand on aime le pays, on travaille à ce que les gens ne tombent pas. On n'attend pas que les gens tombent pour les magnifier. Quand Ibrahim Traoré venait, ce n'était pas parce que les autres ne magnifiaient pas ceux qui tombaient. À un moment donné, il faut arrêter. J'ai dit, tous ceux qui ont élevé de la voix pour critiquer la gouvernance, la gestion de la crise sous Rokaburi, la gestion de la crise sous le président Damiba. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes qui se mettent derrière Ibrahim Traoré, c'est eux qui avaient faim. C'est eux qui cherchaient une place au soleil. Ils ont trouvé cette place ici. C'est pourquoi j'ai dit, moi je vois des éléments du balai citoyen. Aujourd'hui, qui font l'éloge d'Ibrahim Traoré. Vous, votre lutte en 2014, quel était l'objectif visé Qu'est-ce que vous défendiez à ce temps en son temps, nous avions des acquis que nous avons engrangés après cette lutte-là. Ibrahim Traoré les a tous mis dans l'eau. Vous louez celui-là même qui a noyé tous les acquis de Burkina. Et on parle de libération du pays. Nous sommes en train de travailler pour arracher. Il y a des manipulateurs même qui parlent de oui, il faut travailler pour arracher nos terres. Tu allais pour cultiver, et puis il y a un blanc qui est venu t'empêcher de cultiver. Il faut arrêter. Aimé ce pays-là, le pays vous a tout donné. Vous savez, ces manipulateurs, je vous ai toujours dit, à un moment donné, réfléchissez de vous-même. Ne permettez pas à des moins que rien de vous dicter la manière dont vous devez vivre. Regardez, moi je m'adresse aux familles des soldats enlevés, des soldats accusés de vouloir déstabiliser le pays. Vos enfants ne sont pas des déstabilisateurs. Ils ne sont pas des ennemis du pays. Ils sont juste victimes. Victimes, tout simplement de leurs droits Ce sont des règlements de compte. Ces gens qu'on a arrêtés, ils ne sont pas des ennemis du pays. Ne vous trompez pas. Que Sake... reste derrière son enfant. C'est devenu, c'est devenu comme ça au Burkina. On vous accuse, on ne vous donne pas l'occasion de vous défendre en justice, et on crée tout derrière vous. On ne vous permet pas de vous exprimer. Quand quelqu'un a tort, remettez-le en justice. Afin qu'il se défendent, afin qu'il s'adresse au peuple burkinabé, Qu'il dise au peuple burkinabé pourquoi, si réellement il a voulu déstabiliser, pourquoi il a voulu déstabiliser le Burkina, mais ne prenez pas quelqu'un et inventez des sources derrière lui. Moi j'ai vu, c'est toujours euh, pas le gouvernement, hein, leurs propagandiste. Ils ont partagé une note aujourd'hui, parlant tout simplement d'un certain, je ne sais pas si c'est quelque un Certain Amir Kinda, eh, qui serait celui-là eh, qui travaille à déstabiliser le Burkina. En fait, je ne connais pas l'individu, je ne connais pas le soldat, mais je sais que si j'allais faire des recherches, parce que je me rappelle que ces gens-là, puisqu'ils parlent de ceux qui sont partis avec le président d'Amiba, et c'est là aussi l'occasion de dire aux proches du président d'Amiba, ceux qui me suivent et qui sont proches de lui, dites-lui, il est temps qu'il sorte de son silence. Quand je parle de sortir de son silence, les gens ont trop l'ont trop accusé. Les gens ont dit beaucoup de choses que jusqu'à présent aucun, je dirais aucune structure sérieuse n'a déjà approuvé ce que les gens disent ou peut-être toutes les malversations qu'on a citées sur lui. Aucune structure sérieuse n'a déjà approuvé ce que les gens disent ou peut-être essayer de lui demander à ce que donne de la lumière sur quoi que ce soit jusqu'à présent rien ça veut dire que ce n'est pas fondé il faut qu'ils sortent de leur silence il y a des explications souvent que nous nous avons besoin et qu'il ne faut pas qu'on parle dans le vide par exemple de, de ce monsieur Ahmed Kinda que je ne connais pas si il est vivant et qu'il m'écoute qui donne il explique clairement les choses parce que je me rappelle d'une chose quand il, le président d'Amiba devrait partir il y a une note qui a été signée et là dans la note le président d'Amiba a précisé que lui souhaiterait, dans, dans ses revendications, souhaiterait qu'au moins on ne poursuive pas ses collaborateurs. Ça a été signé. Et les guides religieux aussi, Ibrahim Traoré a validé. Après leur départ, un mois après, Mais c'est le gouvernement même actuel d'Ibrahim Traoré qui a envoyé des émissaires au Togo. Nous avons suivi ça, ça a été commenté, pour demander le retour de nos pilotes. Ils étaient quatre. Il y avait trois pilotes, plus ce monsieur-là, de Américain. J'ai lu ça tout de suite. Donc, quand ils sont revenus, ce qui a été dit au Togo, c'était quoi C'était qu'ils ont donné leur parole au Togo que ces gens-là ne seront pas inquiétés et qu'arrivés au Burkina, ils vont servir leur pays. Ils ont accepté, effectivement, avec la collaboration, bien sûr, de l'ancien président, du, du président d'Amiba, qui a accepté que ces gens-là. Reviennent au Burkina pour servir le pays parce qu'ils ne vont quand même pas. Eux aussi, aller rester Voilà. Quand même, ils vont pas quand même. Euh, ils ont une carrière. Voilà, derrière eux. Donc, ils sont rentrés. Alors, arrivée à l'aéroport, on apprend par, euh, effectivement, ceux qui nous avertissaient. Hein, je ne sais pas si c'est Adi qui avait écrit ou quelqu'un d'autre. Que ces gens-là, arri arrivés à l'aéroport, ils ont été cueillis et directement en prison. Quand on vous dit de tenir vos paroles, c'est ça que vous allez amener des gens. D'abord, il y a, a l'accord qui était avec les guides religieux que vous n'avez pas respecté. Vous êtes allé au Togo, vous avez demandé la permission des autorités togolaises. Vous avez envoyé les éléments. Ça même c'est un manque de respect aux autorités togolaises. Parce que si vous donnez votre parole de ne pas traquer ces gens, on vous donne ces gens là. Vous arrivez à la maison, vous les cueillez à l'aéroport directement en prison. Ils ont fait combien temps en prison là-bas Ceux qui sont là, qui racontent les bêtises, qui mentent sur le jeune là. Il a, quand il était en prison, vous avez dit quoi Est-ce que vous avez élevé de la voix pour demander à ce qu'on les libère Est-ce que vous avez demandé à ce qu'on le présente à un juge pour qu'il se défende Son tort, c'est quoi C'est d'être parti et accepter de revenir dans son pays pour servir, pour aider à libérer le pays. Vous les avez mis en prison. Tous les quatre, ils sont restés en prison. Nous avons ici crié, crié. Jusqu'à ce que vous-même, ces gens-là, c'est vous qui les avez envoyés à, à, à des stages que vous-même vous avez fabriqués. Ces gens-là, c'est quels stages ils ont besoin Des gens qui sont prêts à servir. Des pilotes, comme les Cidsouris, ils ont besoin de quels stages Parce que vous, vous n'aimez pas les gens, vous avez une dent contre les gens. Vous n'aimez pas ceux qui, qui peuvent vous aider. Des jeunes gens comme ça, bien formés. Vous les avez envoyés en mission. Des missions que vous avez fabriquées. Ils sont allés en mission, il paraît que c'est vous qui avez le nommé Kinda. et est parti en mission au Maroc. Et sa mission là est finie parce que, je ne sais pas, sa mission est finie. Tout récemment. Mais pourquoi le gars, il ne rentre pas Il n'est pas rentré, pourquoi Il faut vous poser, nous on vous a toujours dit ici. Un soldat sérieux qui a déjà fait la prison dans les conditions que vous lui avez imposées, arrivé et vous lui avez mis en prison, il a souffert. Il sort du Burkina. Il sort du Burkina. Il va ailleurs. Et en même temps, les autres soldats sont traqués. Ses amis qu'il connaît sont traqués sans être présentés à un juge. D'autres sont envoyés en stage en Russie. Ils arrivent à l'aéroport, on les cueille comme des poissons, on les met dans un lieu secret, on les met en prison. Vous voulez que lui rentre Il n'a qu'à rentrer pour faire quoi Moi, même si je le connais, même je vais lui dire de ne même pas venir. Il va venir faire quoi Vous n'êtes pas sérieux vous n'êtes pas sérieux. Vous enlevez des capitaines, vous enlevez des généraux, vous enlevez des lieutenants-colonels. Vous ne les permettez pas de s'exprimer. Ses camarades sont en prison, les, les, les colonels Yves Didier-Bamouni et tout le reste, ils sont en prison. Combien d'officiers vous avez mis en prison Vous les avez cloués. Et d'autres continuent de suivre. Vous voulez qu'un soldat revienne, il va revenir faire quoi Si moi je le connais, il faut même pas, il va revenir. Maintenant, si quelqu'un ne revient pas, on sort, on dit oui, il veut déstabiliser le pays, il prépare si, il, il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous n'avez plus d'arguments. Vous avez menti au peuple burkinabé. Vous avez menti à tout le monde. Aujourd'hui, c'est en train de vous rattraper. Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est en train de vous rattraper. Depuis que vous êtes arrivé, combien d'officiers que vous avez accusés Moi-même, je me pose souvent des questions. Si toutes ces personnes que vous accusez de vouloir déstabiliser le pays, si c'est vrai, mais c'est qui même C'est où même Ibrahim Traoré veut diriger Si ce sont des Burkinabés, qui trouvent que Ibrahim Trahou n'a pas de résultat et ils veulent qu'il quitte. Mais il va pas s'échapper. C'est en où il va s'échapper? Parce que quand tu enlèves un, c'est que tu crées beaucoup d'ennemis. La seule chose qui permet à quelqu'un de vous croire, c'est la justice. Et c'est même cette même justice que vous êtes en train de mettre, d'enlever ceux qui ont toujours, ceux qui sont toujours licides, qui veulent dire le droit. C'est eux que vous enlevez. Est-ce que vous êtes sérieux? On n'est pas sérieux dans notre pays. Et tout ça, on va appeler ça la lutte contre le terrorisme. J'ai dit aux gens ce que vous ne savez pas. Vous savez, la stratégie des manipulateurs, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui veulent partager, ils peuvent partager maintenant. Et parce qu'à chaque fois, dès que je finis ma vidéo, comme tellement ils n'aiment pas la vérité, ils viennent signaler, ils viennent écrire n'importe quoi pour empêcher que ma vidéo ne soit vue par beaucoup de personnes. Donc ceux qui veulent partager, il y a des gens qui m'écrivent après pour dire, on n'arrive pas à partager. Oui, mais vous n'arrivez pas. Parce que quand je finis ma vidéo... Et tellement que ceux qui disent que je ne dis pas la vérité viennent toujours signaler, ça fait qu'on n'arrive pas. Donc, je reviens. Vous avez vu ce que je vous disais tout récemment? Regardez leur stratégie. La stratégie, c'est quoi? On a mis 500 millions pour la communication des guerres. Qu'est-ce que ça veut dire, la communication des guerres? Ces gens-là, c'est ce que vous appelez dans votre service, le service de communication. Ce dernier qui, qui assis, qu est assis, qu'est-ce qu'il fait? La stratégie de la communication, c'est de sortir à chaque fois, regarder en fonction euh, de la mobilisation. Si les gens sont, sont en train de prendre conscience, il faut créer quelque chose, les impliquer. Vous avez vu, il y a eu une autre question. On dit non, il y a des gens qui sont en train de chercher les cours des Wanya. Il y a des gens qui sont en train de vouloir détecter les ronds Et il y a des gens qui sont en train de faire ci. C'est eux-mêmes qui écrivent ça. C'est eux qui écrivent ça. Que oui, depuis Abidjan, on est en train de chercher les, la localisation des ronds points Attends. Quand quelqu'un... <laughs> Souvent, moi, je lis, je dis, mais les gens n'ont pas encore compris. La communication de guerre, c'est ça. Il y a des gens qui sont assis et qui cherchent, qui écrivent. Vous avez vu ce qui est sorti, on dit c'est Babouni qui a écrit là. C'est eux qui, ont... qui se sont assis. Puis qu'on voit que les gens commencent à prendre conscience. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut dire que c'est eux. Les gens disent que en, vous... en vous divisant, on va pouvoir faire ce qu'on veut faire. Les autres qui sont partis là, il y avait des soutiens. Rocabouré avait des soutiens. Le président Damiba avait des soutiens. Blaise Comporé avait des soutiens. Allez-y partout. Il n'y avait pas un village où il n'y avait pas un soutien du CDP. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de faire, moi, ce qui me, me gêne, tout simplement, c'est parce qu'on est en train de sacrifier des Burkinabés. Pour un faux débat, depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, ce sont les plans qui sont derrière. Tous les jours, ce sont les plans. On accuse à longueur de journée les plans. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, personne n'est contre nous. C'est la stratégie des incompétents qui consiste à mobiliser les gens dans, le, dans la manipulation. Il y a des gens qui sont là. Le jour que les Burkinabés vont comprendre que c'est quelques minorités qui créent beaucoup de faux comptes pour se faire comme si c'était une multitude, les gens vont se réveiller. Asseyez-vous, on tue vos frères. Regardez les recrutements massifs de VDP. Vous qui avez recruté les VDP et que même, on n'avait même pas, on ne pouvait même pas prendre d'autres encore. Aujourd'hui, vous êtes assis et puis il n'y a pas de VDP, on veut recruter encore. Le reste, là est où Vous allez sacrifier les enfants des gens. Tous les militaires qui sont en prison. Un Burkinabé sérieux, un président sincère qui est venu pour libérer le Burkina. S'il si sort ces militaires qui sont en prison, la guerre, là, on n'entendra pas parler d'ici quelques temps. Regardez ceux qui sont là. On ajoute d'autres. Il y a six Sangari qu'on a ajouté aujourd'hui. Quand on vous dit faites attention, il y a des gens qui ont aidé à mettre d'autres en prison. et qu'on ramasse encore. C'est-à-dire qu'on vous utilise. Vous faites du tort aux autres. Quand on vient vous enlever, personne ne peut vous accompagner. Donnez-vous la main. Le pays est en train de sombrer. Les gens, il y a des gens, il y a des militaires, ou certains militaires sont à Ouagadougou aujourd'hui, en train de manger. Il y a des primes qu'on donne aux gens. Il y a des gens, quand ils voient les primes, ils acceptent. Qu'on laisse passer les hécatombes sur leurs frères. Regardez le drame qui sur le, le convoi du Bongo. Moi, je, regarde, quand j'ai vu ça, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit est-ce que le Burkinabé d'hier, c'est le Burkinabé d'aujourd'hui? Je suis d'accord, qu'on ne dise pas il part, mais qu'on lui dise, Monsieur le Président, ayez pitié de ce pays-là. Ayez pitié de ces pauvres populations qui n'ont pas cultivé. Il y a au moins cinq ans qui attendaient qu'avec vous on allait quand même s'en sortir. Beaucoup ont eu l'espoir avec Ibi. Dès qu'il a fait son premier discours, les gens ont dit Il est là pour nous sauver. Mais après, après il a dévié. Mais ce n'est pas après il a dévié. Nous qui avons connu l'homme, on l'a connu dès le départ. Mais il y a des gens qui pensaient qu'il pouvait faire mieux. Non. Depuis quand on assassine un lieutenant colonel pour un capitaine et il a sauvé un pays? Jamais. Et j'ai dit à tous ceux qui l'entourent, qui l'accompagnent. Vous avez vu au oh, comment j'appelle ça? Ceux qui acceptent qu'on les envoie dans des missions, allez massacrer d'autres, allez faire des crimes. Écoutez, ça va vous rattraper. Ibrahim Traoré dans, dans la Nouvelle Charte dit que tout, c'est-à-dire que tout fonctionnaire, tout travailleur, dans l'exercice de ses fonctions s'il commet un dégât, s'il pose des actes. Lui, Ibrahim Traoré n'est pas responsable. C'est-à-dire que si tu es militaire, on t'envoie à l'est. Tu vas commettre des dégâts. Ibrahim Traoré ne sera pas coupable. C'est toi. Au jugement, tu vas répondre. Donc, tout ce qu'on envoie, parce que c'est que vous, les crimes que les gens font, nous, on ne parle pas. Pour ne pas décourager certains soldats. Mais on a les archives. Les gens ont les archives. Ceux qu'on torture dans les, dans les chambres à Ouagad 2000. Les gens ont des photos, ils ont tout. On dépose. Le jour viendra. Il y a des gens qui seront surpris, ça pas qu'on sait. Comme aujourd'hui, quand tu parles, on t'enlève, on t'insulte. Les gens archivent tout. Regardez au niveau de l'Est, là. Et le village de de, 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 Bani. Bani a été attaqué. Je ne vous dirai pas le fond. Ça va sortir. Ils ont essayé de camoufler ça en faisant un communiqué mensonger à la, à la, à Aibé, En disant qu'on a, on a évité le pire à des civils. C'était pour préparer l'esprit des Burkinabés à ce qui sera découvert. Parce qu'il n'y a pas de réseau là-bas. Mais nous, on est au courant. Il y a des paroles, si le moment n'est pas venu, ça ne sert pas de parler. Mais il y a des gens qui. C'est déjà là où vous ne pouvez même pas imaginer. On n'accuse personne. Mais je dis toujours aux jeunes soldats, de 2021, de 2023 en allant, on est en train de vous utiliser. Réveillez-vous. Les primes ne pourront pas vous sauver. Vous serez face à la justice. Même si c'est dans 50 ans, ça va vous rattraper. Ça va vous l'attraper. Regardez l'incident sur la route du convoi de Bongo. Vous avez vu le matériel là Vous avez vu le matériel que les gars ont ramassé Ils sont en train d'exposer ça au monde entier. Moi, quand je vois toutes ces armes, ces munitions, je me pose des questions. Comment quelqu'un peut voir tout ça et continuer d'accuser l'Occident Il y a un problème sur notre sol. Un Français n'est pas venu marcher sur notre sol. Un Américain n'est pas venu marcher sur notre sol. C'est nous, Burkinabés, qui devrons sécuriser nos frontières. Au lieu de se concentrer, de mettre les idées sur place pour libérer le pays, on va faire l'histoire de, de, de la Côte d'Ivoire. On va faire l'histoire euh, des autres pays. Vous, vous êtes assez fort pour parler des autres pays. Vous avez le matériel pour aller visionner des camps de, de, de formation dans d'autres pays. Et sur votre propre sol, là, vous, vous n'avez pas les moyens de sécuriser. Comment un convoi de cette envergure qui doit se déplacer d'un point A à un point B, on n'a pas mis les moyens pour sécuriser les hommes. Vous avez vanté votre matériel militaire. Vous avez montré vos drones. Vous êtes fort jusqu'à vous être allé aider le Mali. Et aujourd'hui, que les Maliens apprennent que qui Burkinabés tombent. Et la honte fait que vous ne communiquez pas. Vous êtes les premiers à aller en Russie pour saluer des funérailles. Au Mali, pour saluer des finirailles. Au Niger, pour aller compatir. Et sur vous, vos frères d'armes tombent. Vous n'êtes pas sensible. Un civil peut ne pas être sensible. Mais pas un militaire. Pas un frère d'armes. Vous avez fait les mêmes écoles. Vous avez fait. Vous avez subi les mêmes souffrances. Pour ce pays, ton frère d'armes ne peut pas tomber. Sa famille souffre. Et pour des perdièmes, tu restes à Ouagadougou et tu es fier. Pour la seule vie d'Ibrahim Traoré, tu acceptes qu'on sacrifie plus de 500 de tes frères. Tous les jours, les gens tombent. Vous voyez, vous entendez. Et il y a des manipulateurs qui sortent pour dire que ce n'est pas vrai. Mais c'est vous qui. Ils se moquent de vos, vos, vos camarades. Ils se moquent des familles, des soldats qui tombent. Sinon, un, un Burkinabé sérieux, qui aime le pays, accepte qu'il y a un drame, mais demande au gouvernement d'améliorer. Pas de lui dire du parti. Mais si on accepte que tout simplement. Il y a des soldats qui tombent, on vient à la télé, on nous dit qu'on a tué mille djihadistes. Est-ce que ça soulage les familles? Est-ce que ça ramène nos FDS qui sont tombés? Et on recrute tous les jours pour aller sacrifier, pourvu que nous restons au pouvoir. Ce n'est pas sérieux. Ne faisons pas ça. Nous allons laisser notre pays avec des orphelins et des veuves. Et c'est eux qui vont nous pourrir la vie. Parce qu'ils diront quand mon père est tombé, Personne n'a levé le petit doigt. N'acceptons pas qu'on aille s'attaquer à des communautés qui ont lutté, qui ont fait les mêmes luttes avec nous, qui se sont battues le, contre le blanc, avec nous. Ces communautés ne sont pas nos ennemis. Il y a un problème qu'il faut résoudre. Et c'est là que j'apprécie le président Damiba, qui avait trouvé que les armes sur Rocaboré, pendant des années, il fallait changer la méthode. Qui était d'unir les Burkinabé. qu'on parle le même langage. Pourquoi? Les musulmans, les catholiques, les chrétiens, nous avons prié. Nous avons choisi des jours. Nous avons prié. Mais c'est le même Dieu que les gens prient et ils répondent. Pourquoi ce nous, Dieu ne répond pas Nous avons des ancêtres, ont prié tous les jours. Ils nous écoutaient. Quand on appelle la pluie, ils nous écoutaient. Regardez aujourd'hui, même dans ces masses, on n'a même pas de pluie. Parce que le sang verse trop et on ment aux gens. Juste pour rester au pouvoir. Aucun pays. Ne peut s'attaquer ouvertement à tout le monde de cette manière de s'en sortir. Les gens peuvent lutter. Mais attends, là, la manière de libérer son, son pays, ce n'est pas d'insulter les gens, mais c'est de s'organiser à l'interne pour refuser certaines choses. Et ça va. Vous n'êtes pas les seuls pays qui se battent là. Mais les gens ne sont pas insultés, c'est vous qu'on voit en spectacle tous les jours. Vous mettez tout le monde sur la toile pour insulter les gens, dénigrer. Un peu partout, vous allez vous voulez parler du pays. On dit que, tout le, que le pays le, le pays là travaille. Ça travaille où C'est où qu'il travaille et puis on ramasse les mots tous les jours. Allez-y si vous avez le courage. Allez-y dans les cimetières. Allez voir ce qui se passe. Allez voir dans les cimetières. Moi, je m'adresse aux soldats. D'autres se sont battus pour ce pays. Ce n'est pas à votre tour d'accepter. On manipule, qu'on mente malgré les armes que vous voyez, ce sont vos armes, ce sont vos véhicules. Vous les savez bien. Pourquoi vous acceptez qu'on continue d'aller massacrer les autres? Ne faisons pas ça. Nous, on peut mentir, mais vous connaissez la vérité. Moi qui suis ici, je ne publie pas ce que je ne publie pas la propagande de ces gens-là. Ce que je publie, c'est parce que les gens mentent. Ils vont jusqu'à dire que c'est faux. Nous sommes obligés de montrer certaines choses pour pouvoir. Faire comprendre aux gens qu'on n'est pas ennemi. Je ne peux pas m'asseoir ici, on me traite ennemi du pays. Pourtant, je ne suis pas. On me traite d'être euh, payé par quelqu'un. Personne ne me paye. Moi, je suis assis. Qui, qui me paye Je travaille tous les jours comme les autres. Quelqu'un qui veut ma fiche de travail là, je sors ma fiche. Je suis dans un pays où on ne peut pas faire du mouta, -mouta. On ne peut pas faire du mouta, -mouta. Ce sont vos gens qui ne travaillent pas, c'est eux qui sont sur la toile tous les jours. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le pays va mal. S'il vous plaît, aux soldats, le pays va mal. On enlève trop de personnes. Les gens sont massacrés. Ce n'est pas bien. Ne donnons pas cette image au monde entier. Vous avez vu... Je préfère ne pas aller dans ce domaine-là. Regardez au niveau de l'Est, la région de l'Est. Tous ceux qui étaient là en train de crier qui défendent la région de l'Est. Vous êtes où Les Paramanga Ernest Nyonli. Les dames, les, les gens de la région de l'Est. Vous êtes où vous connaissez le, le vrai problème, vous connaissez les drames. Ce n'est pas à moi de vous dire. Vos parents vous appellent et vous disent. Vous avez accepté, vous tairez. Vous les politiciens, vous étiez ici, vous avez marché sous Blaise Comporée. Où êtes vous? Où êtes vous? Les guides religieux. Où êtes vous? Où êtes vous? Les OSC, où êtes vous? Vous êtes assis. On enlève tout le monde à tout de rôle. Les magistrats, tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez pour ce pays? Quand vous dites la vérité, vous êtes ennemi du pays. Vous êtes assis. Vous avez peur de quoi Que Ibrahim Traoré vous tue ou vous enlève, vous allez me partir. Sauvez pour qu'on laisse quelque chose à, aux, à ceux qui viendront. Pas à nous. Qu'est-ce que nous avons besoin Des gens qui sont ailleurs, des manipulateurs, qui sont couchés ailleurs, loin du Burkina, qui mettent le feu au Burkina. Tous les jours, ceux qui ont la bonne formule, les mêmes personnes qui étaient là, qui criaient, qui dénonçaient, aujourd'hui, tous ceux qu'on dénonce, ils trouvent que c'est un problème. Parce qu'eux, ils sont dans la soupe. Vous allez vous asseoir, ramasser vos frères, vos grands frères, vos petits frères, vos enfants, venir enterrer tous les jours et accepter. Parce que tout simplement, on vous montre à la télé des gadis qui sont tués à longueur de journée. Mais quand on tue à longueur de journée, les autres viennent par où Qui les ramène Qui les ramène Chaque soir, on berne les gens à la télé. Ça fait deux ans que nous tuons les gadis Ça fait deux ans que l'armée monte en puissance. Ça fait deux ans. Qu'on nous avait promis de libérer le pays en six mois. Vous vous êtes assis, le gars s'est donné cinq ans. Il enlève tous ceux qui parlent. Regardez sur tous les plateaux. Qui peut dire un mot contraire Est-ce que tout le monde est complice Tout le monde est ennemi du pays Même les journalistes qui sont assis, les califères serrés, ils sont complices où En comment ils sont complices Leur propre pays, ils veulent parler de leur pays. Ils sont complices en où Comment ils n'aiment pas le pays Tout ce beau monde-là n'aime pas le pays vous voyez des gens qui sont là, qui racontent des bêtises, vous êtes assis, vous regardez. Ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. Sauvons notre pays. Les manipulateurs, c'est toujours ça. Quand ça s'offre, on crée quelque chose, on va écrire des choses, à visage couvert, on sort et les gens vont croire à ça. Ce n'est pas sérieux. Toute personne qui commet un dégât, présentez-le à la justice. qui se défende. Mais ce sont les mêmes justes qu'on enlève. Ça veut dire qu'on n'aime pas la vérité. Que Dieu protège le Burkina. Merci.